premier à sinon 1 roi chapitre 19 les versets 19 à 21. Après ça, nous allons lire 2 rois chapitre 2 les versets 1er à 12. En nous levant campé pour nous lire passage ça ensemble. Premièrement, nous tous allons lire ensemble. 1 Roi, chapitre 19, verset 19 à 21. En nous tous lire ensemble. Il dit, Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il avait devant lui 12 paires de bœufs. Il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Verset 20. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. » Élisée lui répondit, « Va et reviens, pense à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Avec l'attelage des bœufs, il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Deux rois, premier, deux rois, deux Kounia, verset 1er à 15, en nous lit ensemble. Il dit, lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon. Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie, fils, dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Bethel. Élisée répondit, mon âme est vivante et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui était à Bethel, sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu que ton maître enlève aujourd'hui ton... que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et mon âme est vivante, je ne te quitterai point. » Ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance. On nous dit à distance. On nous dit à distance. À distance vis-à-vis. OK? Et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Verset 8. Alors, Élie prit son manteau, le roula et frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et ils passèrent tous deux à pied sec. Verset 9. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. » Verset 11. Comme il continuait à marcher et en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon et Élisée regardait et criait, « mon père, char d'Israël et de sa cavalerie. » Et il ne le vit plus.
saisissant ses vêtements, il les déchira en deux. Il releva le manteau de qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Il en frappa les eaux et dit : Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent, ça et là, et Élisée passa. Gardez-moi que l'autre là dit : Wap passé. Dit : Wap passé. Verset 15, la Bible dit : Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis l'ayant vu, dirent : L'Esprit de l'Éternel repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Avant Chita, chercher trois mounes bas à la main, dit où besoin yon onction double différentielle. Où besoin yon onction double différentielle. Et avant sorti dans la salle la matin, déclaré ou sorti avec yon onction double, yon onction double, yon onction double, yon onction double différentielle. Dit avant sorti dans la salle la matin, avant sorti dans le campus la matin, ou sorti avec yon onction double différentielle. Tout le monde qui recevoir, allez fort sous dit recevoir. Dis recevoir. Recevoir. Au nom de Jésus. Chers amis, nous gain devant nous là un texte qui est intéressant, extrêmement intéressant. Texte ça parle nous de un jeune garçon que y aurait les Élisée. Un jeune homme que y aurait les Élisée. Monsieur, c'est la Bible ba nous non pas parlé. Il dit nous que Élisée c'était le fils de Shaphat. Maintenant, grand pile bagaille que nous apprenons au sujet d'Élie, rien qu'à regarder ce texte. Premièrement, monsieur Somoun apparemment qui était jeune parce que c'est lui-même à un très jeune âge, n'est-ce pas, que monsieur Élie bral commencer former qui pourra le remplacer lui plus tard. Donc monsieur jeune, n'est-ce pas? Et apparemment monsieur sorti dans une grande famille. Apparemment, il est sorti dans une famille noble. Comment nous faisons ça? C'est parce que la Bible nous dit Élisée, fils de Shaphat. Fils de Shaphat. Le fait que vous prenez temps pour vous mentionner non, papa, monsieur, ça veut dire c'est pas n'importe qui. Dans la Bible, généralement, le monde pas connu, vous pas mentionné non. Yo seulement utilisé un terme général pour yo faire allusion à moun sa. Donc par exemple, yo capable dire un centenier. Yo capable dire une femme samaritaine. Yo capable dire ainsi une femme syro-phénicienne ou bien un publicain ou bien un pharisien. Donc généralement, le yo moun pas trop important dans la Bible. Yo pas prend temps pour yo mentionner non moun nan, parce que yo connaît même si yo mentionné non personne pas connaît. Mais lorsque c'est un moun qui te gagne une grande renommée, lorsque c'est un moun qui te gagne une importance dans zone côté le DEA, eh bien yo prend temps pour yo mentionner non moun nan. Est-ce que n'avait même? Donc rien que le fait que yo mentionné Élisée fils de Shaphat, ça veut dire depuis yo dit Shaphat, tout moun connaît qui est Shaphatier. Est-ce que n'avait même? Est-ce que n'avait même? De vous citer non papa monsieur ou dit ça c'est petit intel. Ça veut dire tout le monde dans zone là connaît qui est ce que monsieur était. Donc Élisée est sorti dans une famille noble, dans une grande famille, une famille qui était assez connue dans zone côté où il a grandi. C'était Élisée fils de Shaphat. Il est jeune, il est issu d'une famille noble. Et monsieur semblait qu'on l'autre bagaille encore qui était un avantage pour lui. Monsieur semblait que lui était gagné assez de succès en business. Élisée c'était un businessman. Il était gagné assez de succès. Comment nous fait connaître monsieur gagné assez de succès? Parce que texte l'a dit nous là. Il trouva Élisée fils de Shaphat qui labourait. Et puis la Bible dit il avait devant lui 12 paires de bœufs. 12 paires
de bœuf. Maintenant, ça m'a expliqué au là, il n'est pas difficile pour comprendre ni moun qui levait en Haïti. Où qu'on est que yon bœuf, n'entend ça, et même en Haïti, peut-être jusqu'à présent, yon bœuf, son bagage qui coûte un paquet l'argent. Est-ce qu'on avait même? Yon bœuf coûtait plusieurs milliers de dollars. Pour moun acheter bœuf, c'est plusieurs milliers de dollars. Donc, n'entend ça, yon moun qui te gen, yon grain bœuf seulement, ça veut dire. Ou comprenez, mais à fort et déjà pas de mal dans zone non où t'es gagné dans main, mais cet homme li pas gagné un bœuf, li t'es gagné 12 paires de bœufs. Ça veut dire qu'il y a 24 bœufs. Donc les prophètes la joignent avec elle, li joignent monsieur à marcher avec 24 bœufs. Donc pas grand rien qui dit que le pas gagné plus que ça, mais au moins nous connaît que monsieur t'es gagné 24 bœufs. Et là il y a 24 bœufs, bœuf manger en pile, faut gagner espace pour bayou, pour yo manger, ça veut dire sous gon ti bout de terrain ou pas ka bay 24 bœuf manger. Est-ce qu'on avait même l'orgue 24 bœuf faut gen gros terrain pour bœuf yo a joine espace pour y a laite koyo pour y a manger. Ça veut dire si monsieur gen 24 bœuf, ça veut dire gen gros terrain tout. Ça veut dire c'est un grand don dans zone. Est-ce que l'église comprend ça m'a dit là? Donc voilà, Élisée, c'est un jeune garçon, il sorti dans une grande famille. Il sorti dans une grande famille et a fait monsieur marcher, il gagne moyen dans mail, il gagne l'argent dans mail, il gagne l'argent dans mail. Mais malgré Élisée gagne toute bagasse ça yo, toute bagasse ça yo, Élisée misérable, gon bagaille comme dans. Et si vous regardez dans texte là, gon bagaille il dit par rapport à texte là, la Bible dit comme ça que monsieur avec a marché avec 12 paires de bœufs et puis la Bible dit comme ça monsieur il était avec le 12e. Voilà, monsieur gagnait 12 paires de bœufs, 24 bœufs et puis sous remarquez que on dirait que malgré monsieur gagne tout succès ça yo, malgré il gagne toute l'argent ça yo, malgré il gagne tout contact ça yo, semblait bœuf yo devant monsieur dans la vie. Et pas la main. Semblait bœuf yo devant monsieur dans la vie. Parce que la Bible dit que ça, monsieur gagne 12 pères qui devant. Et puis c'est lui derrière bœuf yo. Au lieu c'est lui devant bœuf yo pour mener bœuf yo. Est-ce qu'on avait même? Au lieu devant bœuf yo pour mener bœuf yo. Mais semblait c'est bœuf yo qui devant dans la vie. Pas la même. Semblait c'est bœuf yo qui devant dans la vie. Donc cela veut dire, si vous comprenez bien, Élisée gagne l'argent, mais elle manque yon bagay. Élisée m'dou gagne l'argent, mais elle manque yon bagay. Élisée sorti dans grand famille, mais elle manque yon bagay. Élisée mais il manque un bagaille. Élisée gagne les forces de la jeunesse avec elle, il manque un bagaille. Qui bagaille Élisée te manqué? Il avait raté son appel. Qui bagaille te manqué? Il avait raté sa vocation. Qui problème il te gagné? Il avait raté sa destinée. Ça fait nous dire qu'il a raté sa destinée. Parce que l'on a pris dans le verset qui vient avant, on va prendre la Bible dit comme ça, que l'Éternel te gagne une rencontre avec Élie. Et puis l'Éternel joint avec Élie dans la cave là, il dit Élie, il dit comme ça, ou bralé à Abel, Meola. Et puis il dit comme ça, ou bral trouver un jeune garçon. Adam, oui, la Bible dit comme ça que Élie a caché devant l'Éternel. Et puis il dit comme ça, Élie a caché, il dit je suis resté le seul des prophètes. Et puis l'Éternel dit Élie, moi gagné 7000 hommes qui n'ont jamais fléchi le genou devant Baal. Moi j'ai 7000 hommes qui pas jamais mettre ma genou. Et puis il dit pour me capable prouver ça, il dit allez dans telle localité qui relait Abel Meola et pour bral vin tomber sur un jeune garçon que yo relé Élisée fils de Shaphat et pour bral prendre et pour bral rouel dans place où comme prophète. Donc voilà un homme dans programme bon Dieu qui prophète, dans plan bon Dieu qui prophète, dans calendrier bon Dieu qui prophète. Dans ça l'Éternel a préparé qui prophète et puis voilà pendant bon Dieu relé pour le prophète l'a mené une vie d'agriculteur. Pas la même. L'Éternel relé le prophète mais lui-même l'a travaillé dans le jardin. L'Éternel relé le prophète l'a travaillé dans les champs. L'Éternel relé le prophète et puis monsieur a planté maïs. Il a succès dans planter maïs mais c'est pas la vocation. Il a succès dans l'agriculture mais c'est pas la vocation. Il y a succès dans le business là. Mais malgré tout l'argent, yo, monsieur vide. Parce que grand bagay qui manque. Aïe aïe aïe. Parlavem. Senti que moun kap tandem nan minute ça. Et puis ou gen succès dans pile domaine de la vie. Mais malgré tout, ou sent ou vide. Ou gon diplôme dans nursing. Ou gon diplôme comme avocat. Ou gon diplôme comme ingénieur. Ou se yon médecin que respecté.
mais on sent tout bon bagaille dedans parce que l'Éternel gagne plus pour moi. Tout l'Éternel gagne plus pour moi. Tout l'Éternel gagne plus pour ou qu'on belle caille, c'est vrai, mais gagne plus dans la vie. Ou qu'on belle voiture, c'est vrai, mais gagne plus dans la vie. Ou qu'on belle job, c'est vrai, gagne plus dans la vie. Faut la gloire de l'Éternel manifester dans la vie. Levez-moi les dix gloire. Monsieur t'es gagné, mais il t'a marqué un bagage. Donc pendant toute vie, ça, pendant tout temps, ça Michel travaille. Et puis Michel laboure les champs. Mais il y a une insatisfaction. Parce que il y a un bagage qui manque dans la ville. Et puis c'est pendant un jour que Michel travaille dans les champs. Pendant le travail, jardin. Et puis la vête peuf lié, la pousse. Et puis la Bible dit qu'on a un vieux prophète qui a passé. Un vieux prophète qui a passé par le nom d'Élie. Et puis Élie en igoué, jeune garçon. Et puis il râle manteau qui est sous lui. Il râle veste qui est sous lui. Il retire et puis il voye le sous ton monsieur. Pas la même. Levez-moi la dit gloire. Au moins déclaré avant message ça fini. Qu'un manteau qui va tomber là. Moi tout qu'un manteau de puissance qui va tomber. Qu'un manteau de grâce qui va tomber. Qu'un manteau d'onction qui va tomber. Oh marabakata bashakataya. M'ta souhaité qu'un monde qui a des yeux spirituels pour yoé ça. La Bible dit qu'on ça pendant monsieur a venu. L'anikoué jeune garçon. Et puis il prend manteau. Il retire là. Et puis il voyait le sous dos monsieur. Il n'y a pas la velle. Il n'y a pas expliqué. Il n'y a pas dit mais ça l'Éternel de Dim. Il n'y a pas dit mais ça moi en vision. Il n'y a pas dit mais ça moi en songe. L'an li râle vers là. Et puis la gueule sous lui. L'eau a marché avec des hommes de Dieu. Faut une intelligence spirituelle. Moi dit l'eau a marché dans bon Dieu. Faut une intelligence spirituelle. C'est pas toute bagarre pour expliquer. C'est pas toute bagarre pour faire une leçon. C'est pas toute bagarre pour parler en pile. L'eau a marché avec intelligence spirituelle. À qui sait comprendre? Peu de mots suffisent. À qui sait comprendre? Peu de mots suffisent. Et quelquefois, pas même besoin de yon mot même. À qui sait comprendre? Un geste suffit. Un geste suffit. Un geste suffit. Les prends, monsieur, le pape, les voyez mon pauvre. Gardez mon côté là, dit ou comme manteau sous dos. M'battant d'autres, ou comme manteau sous dos. Dit ou comme manteau sous dos. Bon chita. Il prend et puis il voit un manteau. Aïe, 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 aïe. Il prend lui. Et puis il voit un manteau. Hein? Il prend lui. Il prend lui. Et puis il voit un manteau. Et puis même moment, monsieur comprend yon bagay. La Bible dit même moment, il voit un manteau. Monsieur qui a intelligence, il n'a pas réfléchi, il n'a pas pensé, il n'a pas dit m'bral prier, il n'a pas dit m'bral monter conseil. La Bible dit même quand tes manteaux a tombé sous l'air, pap li lage bagaille. La Bible dit le pap li lage tout bagaille. Et puis il courit derrière le prophète là. La Bible dit il courit derrière le prophète là. Et puis elle courit derrière le prophète là, il dit seulement bam yon chance. Il dit bam yon chance pour me dire maman au revoir. Et pas mon chance pour me dire papa au revoir. Parce que même là, m'a réglé les choses spirituelles. Femme pas oublier maman qui t'es levé maintenant, ni papa qui t'es levé maintenant. Femme pas oublier dans la famille quand t'es sorti. Même là, j'ai un succès, même là, j'ai une bénédiction. Même là, je prends promotion, je ne peux pas oublier. Racine-moi. Gardez mon côté là, dis pas oublier, racine. Aïe, 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 dis pas oublier, pas oublier, pas oublier, pas oublier, pas oublier. Il dit pas mon chance pour me dire maman au revoir. Pas de chance pour me dire papa me revoir. Là, aller l'embrasser au même moment. Et puis la Bible dit comme ça. Non seulement l'embrasser maman, l'embrasser papa. Mais ça qui est intéressant. La Bible dit bœuf, monsieur t'a mené. Il prend bœuf, il coche bœuf. Il coche bœuf. Et puis la Bible dit comme ça, il fait manger avec bœuf. Il fait manger avec bœuf. Et qui ça? Il utilise comme instrument pour le faire manger. La Bible dit comme ça, bois, l'attelage des bœufs. Cela veut dire bagalité utilisée pour le faire joug pour bœuf. Bagalité utilisé pour le marais de bœuf. Ça veut dire instrument, monsieur, qu'on utilise pour agriculture, pour business. Monsieur prend yo et puis il fait yo tourner charbon et puis il cuit bœuf yo sous lit et puis il baille peuple à manger et puis la Bible dit il suive Eli. Aïe, 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 aïe.
Gardez-moi quand on l'a dit, onction avec sacrifice. Hein, onction avec sacrifice. Tout le monde besoin d'onction, mais on ne peut pas faire sacrifice. Tout le monde besoin de puissance, mais on ne peut pas faire sacrifice. Tout le monde besoin de grâce, mais on ne peut pas faire sacrifice. Tout le monde besoin pour l'autre dimension, on ne peut pas faire sacrifice. Mais là, pour monsieur recevoir appel là, monsieur t'a bien mené dans le business. Monsieur ferme un business là, il ferme un bœuf, il ferme un salgué. La Bible dit, il vend des bagages, il fait cadeau. Et puis là, regardez le texte là. Le texte là dit il vend tout bagaille. Et puis il a dit puis il suivit Élie et fut à son service. L'or va regarder plus tard dans le texte là. Ou bral ouais, y aurait les Élisée. Parce que qui service encore? Oui, qui service encore? La Bible dit comme ça. L'air a identifié Élisée plus tard. Il dit Élisée, celui qui versait de l'eau sur les mains d'Élie. Comment comprendre? Yon nom sorti d'une grande famille, côté tout le monde connaît Chafat, papa ou qui est Chafat, yon nom qui sorti d'une grande famille, non famille de renom, yon famille de classe, yon nom qui a un business cap marché non zone, tout le monde a respecté business cap marché, pour jouer le moyen pour quitter famille de classe là, pour jouer le moyen pour vendre tout business li gagne, et puis il fait charbon avec yon, et puis pour la laver mais Eli. Monsieur semble un monde fou. Monsieur semble un monde sot. Qu'on chante dit, mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. L'évangile pas fait avec moun. Gen kek appel bon Dieu ba ou moun pap comprend. Ah palave. Gen kek appel bon Dieu ba ou et puis gen kek baga wa fò semblo moun fou. Moi sûr et certain. Tout moun Élisée pense elle était fou. Moi sûr et certain famille Élisée pense elle était fou. Moi sûr et certain tout le monde dans quartier qui connaît Jean business monsieur t'a marché pour jouer moyen pour faire mes business là comme ça tout le monde pense monsieur fou. L'onction a un prix. L'onction a un prix. Il y a un prix de la folie. Le bon Dieu était relé pour me prêcher dans l'évangile malgré me sorti non fait non famille chrétienne, nous sorti non famille chrétienne mais famille me pas nécessairement comprendre à quel bon Dieu t'es moins là, bon Dieu t'es moins là. Plus tard, tout le monde comprend. Mais l'homme te fait commencer, moun pas de comprendre. L'évangile compris, l'onction compris, la grâce compris, prie que le gagnant, il n'a pris le gagnant, c'est l'incompréhension. Endurer l'injure eux-mêmes. Quelquefois, même des jouements. Même des moun qui boit toute qualité, non. Et puis il faut qu'on ait ça fait appel, fait partie d'appel. Monsieur vend toute bagaille. Et puis il fut au service d'Élie. Et puis la Bible dit qu'il servit Élie pendant longtemps. Kounia en nous fast forward. En nous avancer. Kounia nous arrivait à la fin. Nous arrivait à la fin du ministère d'Élie. À la fin du ministère d'Élie. La Bible dit comme ça, Élie avec Élisée. Yo à Gilgal. Pour qui ça y a Gilgal? Parce que Élie te gombaga yo te rele l'école des prophètes. Et te gagne différents pour li te gagne différents campus. Li te gagne différents écoles dans différentes villes côté t'a formé différents moun. Li te gon école des prophètes à Gilgal. Li te gon l'autre école des prophètes à Bethel. L'ité qu'on l'autre école des prophètes à Jéricho, école des prophètes ça yo, c'est là que t'es formé des prophètes, des hommes de Dieu que le bras lancé dans tout pays. Donc il était à Gilgal avec son assistant Élisée, yo à Gilgal et puis la Bible dit etc. Le monsieur recevoir appel là, l'dit Élisée, reste ici à Gilgal. Il dit, reste ici à Gilgal. Il dit, car l'Éternel m'envoie à Bethel. Reste ici à Gilgal, car l'Éternel m'envoie à Bethel. Et puis, regardez qui ça le dit. Il répond, il dit, monsieur,
L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Ça veut dire, ça c'est un appel, ça c'est une déclaration de loyauté. L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Et ça fait mal, hein? L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Je ne te quitterai point, c'est la loyauté. Donc, moins loyal. Et ça fait mal, loyal, parce que l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Est-ce qu'on avait, mais ça fait mal, loyal avec, c'est parce que je suis loyal avec l'Éternel d'abord. L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Ou pas qu'à loyal à un père spirituel, sous pas loyal d'abord au Père céleste. Maman. Ou pas qu'à loyal à un père spirituel, sous pas loyal à un père céleste. C'est le loyal avec bon Dieu d'abord. Qu'on y a ou capable de loyal à un père spirituel. L'apôtre Paul l'a écrit avec les chrétiens de Thessalonique, l'a parlé de yo. Il dit, ils se sont donnés au Seigneur d'abord et ils se sont donnés à nous par la grâce de Dieu. Ils se sont donné au Seigneur et ils se sont donnés à nous. Si l'Éternel pas qu'à joindre nous, pas que personne qui a jamais qu'à joindre nous. Aïe. La loyauté, c'est avec bon Dieu le commencer d'abord. C'est ça que fait le Gédéon bral dans la guerre. La Bible dit qu'on sait tout le monde qui a suivi Gédéon. Il dit et paix pour Gédéon. Ça veut dire déloyauté, son problème spirituel. Déloyauté, son problème spirituel. Là où on a déconnexion en bas qui fait, c'est parce que on a déconnexion en haut qui fait. Levez-moi, elle dit gloire. Il dit, l'Éternel est vivant. Ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. Et puis Élie avançait. Et puis Élie a commencé à suivre lui. Et puis là, la Bethel. Le rive à Bethel. Rive à Bethel, prophète, les fils des prophètes qui étaient là. Ils ont dit, sais-tu que l'Éternel enlève ton maître aujourd'hui? Sais-tu que l'Éternel enlève ton maître aujourd'hui? Aïe. Et il n'y a pas dit personne, ça te recevoir de la part de Dieu. Mais tout fils des prophètes, Dieu te connaît. Tout fils des prophètes, quand on. Attendez, oui? Élisée n'a pas dit, mais les fils des prophètes. Élisée n'a pas dit rien, mais Élisée était déjà connu. Parce qu'elle dit, lui seulement dit Élisée, l'Éternel m'envoie à Bethel. Il n'a pas dit qu'il voulait me faire. Mais Élisée, quand tu connais ce qui a passé, et puis il dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te laisserai point. Ça veut dire, Élisée, quand tu connais, qu'on bagarre qui va le passer là. Gonction, qu'on transfère d'onction qui va le faire, m'a bradé. L'heure qui va à Bethel, il joint que les fils des prophètes étaient déjà connus. Et puis il dit comme ça, l'élevis, est-ce qu'on connaît que l'Éternel enlève ton maître aujourd'hui? Ça veut dire, j'aime souvent dire, le monde spirituel est ouvert. Pas j'oublie ça. Le monde spirituel est ouvert. L'Éternel parlait avec Élie. Élisée était déjà connu. Les fils des prophètes dans Bethel connaît. Les fils des prophètes dans Jéricho connaît. Ils n'ont pas de temps dans son genre, ils n'ont pas de temps dans la communication. Mais tout connaît. Ça fait ça parce que le monde spirituel est ouvert. Ou comme ça, ça veut dire, l'homme par ton côté. Ou dit comme ça, l'Éternel relève. L'Éternel a dit, me fait tout tel bagaille. L'Éternel a dit, mal tel côté. Les finis, personne ne va jouer une confirmation ou sous bluff. Ou sous bluff. L'on dit l'Éternel parlait. Et puis c'est où seulement qu'on est. C'est où seulement qu'on est. C'est où seulement qu'on confirme. Pas de personne qui a maturité autour de vous. Pas de homme de Dieu. Pas de femme de Dieu. Pas de monde qui est dans la prière. Qui a ou sous bluff. Parce que le monde spirituel est ouvert. L'orgue appelle tout le monde. Well. Les bons dieux parlent, tout le monde connaît. Tout le monde connaît, t'as des bébés. Les bons dieux parlent, tout le monde connaît. Tout le monde qui est en contact avec mon Dieu, tout le monde qui est avec mon Dieu, l'esprit rend témoignage à notre esprit. M'balèze, depuis l'Éternel parle, monde qui sous mon Dieu connaît. Le rivet, tout prophète, tu as déjà connu. Que l'Éternel t'a pas le premier, monsieur.
Est-ce qu'on connaît la croix? Est-ce qu'on connaît la croix? Oui, je connais. Taisez-vous. Je connais. Moi, c'est ma révélation en tout. Taisez-vous. Taisez-vous. Et puis tout le monde est content. Il arrive à Bethel. Il dit, il va le prendre aujourd'hui. Il va lever aujourd'hui. Il faut jouer une onction ça. Faut jouer une onction ça. Donc il dit comme ça. Élisée, vous pensez que c'est vous-même seulement qui avez suivi monsieur papa? Nous-mêmes les prophètes de Bethel, nous allons suivre monsieur. Vous pensez que c'est vous-même seulement qui allez prendre grâce à papa? Nous allons prendre grâce à tout. Et puis l'Éternel campe, l'Éternel, Élie campe. Il dit, gardez s'il vous plaît. Il dit, restez à Bethel. Il dit, Élisée, restez à Bethel, Gounia. Parce que l'Éternel m'envoie à Jéricho. Élisée dit, l'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant. Et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Je ne te quitterai point. Et puis qu'il y a l'autre prophète de Bethel qui était là. Il fait basse. Il y a quoi? Élisée Finziba là. Il fait basse. Et je ne te quitterai point. Ah, si M. Pap quitte, nous ne quittons pas tout. Si M. Pap quitte, nous ne quittons pas tout. Élie déplacé. Élisée suivi. Qu'il y a les prophètes de Bethel. Il y a même la suivi Élisée. Puisque Élisée va quitter, moi, je vais quitter tout. Je vais quitter. Femme, je donne grâce là. Femme, je donne bénédiction. Femme, je donne onction. Et puis, Kounia, est-ce qu'on avait mais? Est-ce qu'on avait mais? Et puis, tout a suivi, monsieur. Tout a suivi, monsieur. Ça fait ça. Parce que l'eau à Bethel, l'eau à Bethel, on a toujours gagné des disciples. L'eau à Bethel, on a toujours gagné des abonnés. L'eau à Bethel, on a toujours gagné des fanatiques. L'eau à Bethel, on a toujours gagné des fils. Qui ça, Bethel représenté? Bethel représenté le lieu de la révélation divine. Est-ce qu'on avait mais? Est-ce qu'on songeait Bethel? Ou pas songeait c'était à Bethel dans Genèse chapitre 28. La Bible dit pendant Jacob était à Bethel et puis il regardait le ciel là qui rouvait et puis il voyait une échelle descendre et puis il voyait un ange qui a monté et descendre sur le fils de l'homme et puis l'Éternel dit moi que pour bénir qui ça Bethel représentait? Bethel représentait révélation, Bethel représentait réma, Bethel représentait la parole, Bethel représentait la parole prophétique. Donc aussi longtemps où il y a parole, aussi longtemps où il y a onction, aussi longtemps où il y a prophétisé, aussi longtemps bon Dieu avec, aussi longtemps bon Dieu a bon parole qui a béni que mon ou ap gagne moun kap suivi vous, ou ap gagne moun sou page Facebook, ou ap gagne moun sou page YouTube, ou ap gagne moun autour de ou parce qu'on a Bethel. Bethel c'est le lieu de la révélation divine. Tout prophète yo dit n'ap suivi monsieur à Bethel. Le monsieur dit le bras Jéricho. Le kounia là Jéricho, prophète yo suivi monsieur pour Jéricho. Le rivé Jéricho, prophète yo dit même baga, prophète de Jéricho yo vient rencontrer yo. Et puis prophète de Jéricho, les fils des prophètes à Jéricho, les fils des prophètes à Jéricho dit, est-ce que vous connaissez que ton maître, l'Éternel enlève aujourd'hui au-dessus de ta tête ton maître? Et puis Élisée dit, connais taisez-vous. Et puis les fils des prophètes contents. Élisée priait pour eux, même j'ai été prié pour ça Gilgalio, même s'il était même il priait pour eux, même j'ai été prié pour ça Gilgalio, même ça j'ai été prié pour ça Bethelio, qu'on a la prié pour chaque Jéricho yo pour le capable leur dernier au revoir. L'elfine baio leur dernier au revoir. Et puis il dit comme ça, eh bien Élisée mon cher, ou fait Gilgal avec ou fait Bethel avec. Qu'on y arrive juste à Jéricho avec. Ou pas besoin aller plus loin. Il dit Élisée reste ici car l'Éternel il m'envoie maintenant au Jourdain. Il m'envoie au Jourdain. Et puis la Bible dit, Élisée répond. Aïe, 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 aïe. Il dit, ton âme est vivante. L'Éternel est vivant. Et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Faut m'aller avec eux. Et puis, Élisée partit. Le Élisée partit. Kounia, Élie partit. Élisée suivit lui. Kounia, les prophètes de Bethel a suivi Élisée. Et les prophètes de Jéricho dit, nous-mêmes, nous pas prêts derrière. Faut aller tout. Les fils des prophètes de Jéricho y aller tout. Ça fait ça parce que à Jéricho, on a joué des disciples. À Jéricho, on a joué des fanatiques. À Jéricho, on a joué des gens qui campaient avec. Ça fait ça parce que Jéricho représente le lieu de la démonstration de la puissance divine. Jéricho représente la démonstration de la puissance divine. Ou pas songer que t'es Jéricho, c'était première ville que Israël t'a conquérir. Et comment t'a conquérir Jéricho? Ils ont pas te laissé flèche, ils ont pas te lancé javelot, ils ont pas te lancé bombe atomique. Ils ont seulement fait tout ville là 7 fois. Et puis 7e jour, ils ont fait 7 fois. Et puis la Bible dit, ils ont crié, ils ont poussé un cri devant l'Éternel. Et puis muraille Jéricho a tombé par la puissance de Dieu.
qui ça Jéricho représentait? Il représentait puissance divine. Il représentait puissance surnaturelle. Aussi longtemps où dans Jéricho, il y a puissance divine, Mouna a guéri. Ou a besoin de monde qui a suivi vous. Mouna a délivré. Ou a besoin de monde qui a suivi vous. Mouna a recevoir l'onction du Saint-Esprit. Ou a besoin de monde qui a suivi vous. Aussi longtemps que puissance là. Aussi longtemps où a recevoir révélation à Bethel, ou a besoin de monde qui a suivi. Aussi longtemps où il y a puissance, ou a besoin de monde qui a suivi. Donc monsieur Jéricho dit qu'on s'en a suivi. Et puis nous allons suivre monsieur jusqu'au jour. Et puis prophète là, Élie a marché. Élisée derrière, les prophètes de Bethel derrière, les prophètes de Jéricho derrière, et puis tout bralé vers le Jourdain. Excepté, tant que monsieur a approché près du Jourdain, c'est tant que nombre de prophètes commençait à diminuer. Est-ce qu'on entend ça me dire? Les 4 km du Jourdain, il y a 10 qui quittaient, il y a 40 prophètes, parce qu'il y a un groupe de 50 qui suivent. Les rivières à 4 km, vous comprenez, il y a 10 qui quittaient, la 40. Les rivières à 3 km, il y a 20 qui quittaient, il y a la 30. Les rivières à 20 km, il y a 30 qui quittaient, il y a la 20, pas la même. Les rivières, est-ce qu'on entend ça me dire là? Les rivières à 1 km, il y a 10 qui quittaient, il y a 40 qui quittaient, et puis il restait 10. Et puis, quand il y a monsieur a approché, l'arrivée pour Gloa, la Bible dit seul monde qui était campé avec elle, pas Jourdain, c'était Élisée. Il est sorti à 50. Mais là, il est arrivé bord de l'eau. La Bible dit qu'on s'est seul monde qui était avec monsieur. La Bible dit c'était Élisée. La Bible dit côté l'autre. La Bible dit qu'on s'est l'autre était à distance. L'autre était bien loin. Ça fait qu'il était bien loin. Parce que Bethel représente la révélation divine. Et Jéricho représente la puissance surnaturelle. Mais le Jourdain, il représentait les oppositions démoniaques. Parce que l'eau dans la Bible, il est toujours représenté puissance infernale. C'est ça que fait la Bible dit. Côté l'autre là a parlé. Et puis il dit comme ça, tu étends ta main. Et puis il dit, tu me délivreras des grandes eaux. Ça veut dire que l'autre te vient tout. C'est ça que fait l'autre là dit. Il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. L'eau qui ça représenté. Il représenté opposition. Est-ce qu'on avait même? Il représenté opposition. Il représente opposition. Alléluia. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais de la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent aucun aimer. Quand les flots de la mer mugissent et écument jusqu'à faire trembler les montagnes. Les fleuves mugissent. Gloire représente. Un mugissement signifie bête qui a grondé devant. Quel gloire qui vient devant. Les grondés devant. Quel jour qui vient devant. Les grondés devant. Quel problème qui devant. Les grondés devant. Quand les flots de la mer mugissent, écume se soulève jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les cours réjouissent. La cité de Dieu, Jourdain a représenté gros de l'eau. Parce que même si a présenté bon de l'eau de gloire, mais là avant c'est bon Jourdain. Et Jourdain à n'importe moment, il est capable de monter et puis il va les prophètes là. À n'importe moment, il est capable de monter, il noie les prophètes là. À n'importe moment, il est capable de monter et puis il touille les prophètes là. Donc les messieurs étaient à Bethel, ils étaient à Mounavel. L'été à Jéricho, ils étaient à Mounavel. Mais l'aile qui est devant Jourdain, quand il y a une possibilité pour l'eau à monter et puis pour le noyer. La Bible dit tout prophète campé à distance. Qu'on proverbe créole dit c'est dans le malheur qu'on voit les vrais amis. Ou pour qu'on compte qui est-ce qu'ils ont mis. Tout autant pour qu'on arrive devant Jourdain. Dans des petits babas. Il y a quelqu'un sur Facebook ou il y a quelqu'un sur YouTube ou il y a quelqu'un sur Instagram. Mais tout autant pour qu'on arrive devant contre l'eau qu'on connaît sous ou pour qu'on connaît. Pour qu'on connaisse qui vous qui avez. Les messieurs arrivent devant Jourdain. Les messieurs arrivent devant Jourdain. Et puis Gloa a grondé. Gloa a grondé. Tout le monde campé derrière. Et puis Élisée a avancé. Élisée a avancé. Parce que l'Éternel toujours réservé un faible reste. L'Éternel toujours réservé un faible reste. C'est ça, moi-même. L'Éternel a toujours réservé un faible reste. L'Éternel a toujours bon yon graine genou. L'a toujours bon yon graine partenaire de genou. Même si vous pas jeune, tout le monde, la bon yon graine partenaire de genou. La bon yon graine frère qui remet. La bon yon graine soeur qui apprécie. La bon yon graine moun kap campé avec, même dans les moments les plus difficiles. L'a toujours bon graine quand même.
Et puis le prophète là avec puissance qui était sous lui. Et puis il frappait de l'eau. Et puis il fend Jourdain. Il frappait de l'eau, il fend Jourdain. Et puis il passait. Et puis Élisée passait avec elle. Et puis tout le reste 50 prophètes y auraient été bord de l'eau de loin. Et puis il a gardé. Il a gardé. Il a gardé où est Jourdain en fond. Et puis monsieur, monsieur passé. Tout dans l'étonnement. Quand il y a l'œil fin passé Jourdain. L'œil fin passé Jourdain. C'est là ça Élie posait la question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Ça veut dire qu'il y a quelque grâce pour jouer, il faut passer examen. Il y a quelque grâce pour jouer, il faut passer examen. Il faut passer examen. Il faut passer examen. Il faut passer examen. Élisée, j'ai une question. Parce qu'elle t'est passé examen. Yo. Et ce n'est pas un seul examen, c'est plusieurs examens. Tout le monde te voulait onction. Tout le prophète t'a suivi, monsieur, pour onction. Mais il n'y a pas d'accord passé. Examen, yo, surtout dans le dernier examen Jourdain, dans le dernier examen Jourdain, 49 élèves coulés. 49 coulés. Yon seul qui passe. Et puis l'elfine passe. Il dit, que veux-tu que je te fasse? Et puis c'est là ça, monsieur Bralbay désiré. Et c'est là. Il dit, qu'il y a sur moi, je te prie. Qu'il y a sur moi, je te prie. Qu'il y ait sur moi, je te prie, le tout portion de ton esprit. Qu'il y ait sur moi, je te prie, le tout portion de ton esprit. Maintenant, ça est intéressant. Parce que longtemps, l'œil on papa bral mourir. Premier petit garçon, on te demandé tout portion bien. Un premier petit garçon, on demandé tout portion bien. Il a demandé tout portion terrain. Lui qu'on demandait tout portion l'argent, le premier fils reçoit le tout portion des biens terrestres. Donc tout le monde qu'on demandait tout portion pour l'argent, tout portion rade, tout portion terrain, mais cet homme qui t'a gagné intelligence spirituelle, lui dit, il n'a pas besoin de terrain, il n'a pas besoin d'argent, il n'a pas besoin de caille, donne-moi une toute portion de ton esprit. Hey! Parce que si je n'onction, je m'en tout bagage, je m'en l'argent, je m'en onction, je m'en gagne caille, je m'en onction, je m'en est-ce qu'on a même réputation, je m'en onction, mais si m'en onction avec, si m'en onction avec, onction, la baille tout bagage, la baille intimité, la baille prospérité, la baille la santé, la baille ciel, la baille tout bagage, donne-moi toute portion de ton esprit, ciel intelligent. Donne-moi une double portion de ton esprit. Et puis il répond. Il dit son bagage difficile au Mandela parce que son Mandela, ce n'est pas moi qui a bailli. Ce n'est pas moi qui a fait transfert onction. C'est maître onction qui a fait transfert onction. C'est maître onction qui a fait transfert onction. Même si onction est sous la vie, même pas maître Élisée, maître onction c'est l'Éternel. Au Mandon bagage qui est difficile. C'est mettre onction qui a fait transfert onction. Mais m'kabo qui signe. M'kabo qui signe. Qui va le montrer que mettre onction d'accord. Bon onction. M'baka baoul. Mais m'kabo qui signe qui montre que ciel d'accord. Est-ce que vous entendez ça, m'a dit là? Yon homme pas qu'a fait transfert d'onction. Transfert d'onction, c'est bon Dieu qui fait. Après, yon homme pas qu'a fait transfert d'onction. M'baka bon onction qui sous la vie. M'ka prier pour vous. Même pas qu'à bon onction, c'est l'Éternel qui pour bailler. Est-ce qu'on t'a dit ça, Mathieu? Là, là. Mais comment onction fonctionne? Onction fonctionne comme ça. Onction fonctionne comme ça. Si je viens, je prends un crédit carte. Par exemple, là, je vais aller, je vais aller côté, je vais payer. Je vais dans Publix. Et puis je viens mal acheter. Je vais dans le supermarket, mal acheter. Et puis quand je vais dans le supermarket, là, je vais aller pour me payer. Et puis je passe 4 là. Je passe 4 là pour me payer. Maintenant, je dois chariot, je dois remplir avec bagage. Je dois conflex, je dois papier hygiénique, je dois avoir l'huile, je dois avoir masque, je dois tout bagage. Et puis je passe 4 là pour me capable sortir avec provision. Je passe 4 là, et bien automatiquement, supermarché, voyez un message rapide by banque là. Li voyez un message rapide by banque là. Et puis c'est banque là qui pour transférer, faire transaction. C'est banque là qui prend le cob qui sous compte moi.
Pas la même. C'est banque langue bral prend compte qui sous compte moi hein, et puis il bra transférer sous compte net supermarché hein. Et puis cool transférer comme là. Il dit m'approuve. M'ka passer quatre là, même pas qu'à transférer l'argent. M'ka prier pour, même pas qu'à transférer onction. Hein. C'est banque ciel là qui pour transférer onction hein, et puis qui pour dire approuve, qui pour dire approuve, qui dit approuve, qui pour dire approuve, qui pour levez-moi à la gloire. C'est ça que fait fort assurer le travail dans l'évangile pour nous travailler bien. Parce que pasteur grec ne doit pas avoir un bagage, mais le ciel, ouais. Pâtre ne doit pas avoir un bagage, mais le ciel, ouais. Un homme de Dieu ne doit pas avoir un bagage, il va attendre un bagage, mais le ciel, ouais. Et finalement, moun cap d'accord, transfert d'onction, c'est dans le bac ciel là pour le passer. Il dit, mais je m'en donne un bagage qui est difficile. Il dit, m'en donne un bagage qui est difficile. Moi, même pas qu'à faire ça. Même qu'à bon qui signe. Même qu'à bon qui signe. Bon, qui signe qui montre que onction en bon Dieu baoul. Il dit pardon à marcher avec nous. Il dit pardon à marcher avec nous. Ou est pendant la marche là? Il dit m'bral ouais yon bagay. Il dit m'bral ouais yon bagay. Il dit gon bagay qui bral vin là. Lemwel la sou wel tout. Lemwel la sa mwa sou wel. M'gon bagay mwen bral ouais. M'gon bagay mwen bral ouais. Avant m'enlever, m'gon bagay que m'bral ouais. Tout l'autre monde qui a des yeux Chanel absolument ouais me disparaît. Mais monde qui a des yeux spirituels avant me disparaître sous terre gon bagam bral ouais. Sous ouais même ça me bral ouais. Aïe aïe aïe. Sous ouais même ça me bral ouais. Ou capable gagner ça me gagner. Pour capable ou gagner ça me gagner faut ouais ça me ouais. En d'autres termes, pour avoir l'onction d'un père, il faut avoir la vision du père. Maman. Pour avoir l'onction d'un père, il faut avoir la vision du père. Faut qu'à ouais ça papa ouais. Faut qu'à comprendre ça papa comprendre. Faut aller côté papa veut aller. Mais sous quelle propre onction pas ou propre vision pas, propre programme pas, propre agenda pas, ou après la fait pas, ou pas la même vision, ou pas j'aime qu'à que l'onction d'un père parce que tu ne vois pas ce que le père voit. Sous pas carré les amen dit en moué. Pour avoir l'onction d'un père, il faut d'abord avoir la vision du père. Il dit sous ouais, ça mouère. Ça mouère. Il dit wap gagne. Et puis kounya, verset à banou secret pour yon moun capable de vision. Vision de père. La Bible dit pendant yon était dans route l'ensemble. La Bible dit, il parlait. Texte l'a dit. Et comme il continuait, en parlant. La parlait, la petite dernière parole, li, Élisée a écouté. Et puis pendant Élie a parlé comme ça, Élisée a écouté. Et puis ouais. Comment yeux ouverts pour joindre la vision d'un père en entendant les paroles du père. Qui moun ou attendez? Qui moun ou attendez dépend de qui ça va pouer et qui ça va pouer dépend de qui onction que va recevoir. Qui moun ko attendez, qui voit ko attendez, qui voit qu'a jouer dans machine ou, qui voit ou lever avec le matin, qui message ou attendez, qui prédicateur ou attendez, qui pasteur ou attendez, qui parole ou attendez, qui enseignement ko attendez, so ou attendez a pour déterminer so ouais a et so ouais a déterminer qui onction capable jouer ou bien pas capable jouer. Levez-moi à la gloire. La Bible dit pendant la parole il a marché et puis monsieur attendait et puis c'est pendant il a parlé comme ça et puis loin et puis soudainement le ciel l'a ouvert. My goodness. Soudainement le ciel l'a ouvert et puis char l'Éternel descend. La Bible dit char l'Éternel descend. M'pa gen temps pour m'apprendre, temps pour m'expliquer ça. Mais si vous regardez dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 1, Ézéchiel chapitre 9, chapitre 10, ou pas loin que l'Éternel le ciel là, l'ichita sous yon trône, mais l'Éternel déjà décide de déplacer, li déplacer sous yon char, li déplacer sous yon char. Char là, c'est limousine l'Éternel avec toute
bodyguard, li tout garde du corps. Les l'éternel a descendu, descend sur un char. Ça veut dire, les monsieur ouais char là, ça veut dire, elle est tellement important pour l'éternel, les monsieur mourir, les pour monsieur enlever, l'éternel descend char, trône, limousine, vient chercher monsieur en personne. Levez-moi, elle a dit gloire. C'est pas un ange qui vient prendre monsieur. C'est l'éternel qui descend propre char. L'éternel qui descend propre char. Avec un chèque de séraphin. Et puis il descend et puis il prend monsieur. Et puis il y a plus que monsieur t'attend des paroles là. Et puis il ouait transaction. Il ouait transaction. Et puis pendant. Et puis pendant Eli a volé. Manteau a tombé. Parle avec moi, dis manteau a tombé. Dis manteau a tombé. Cherchez trois mon dis manteau. Gardez-moi pas guette, m'rete 10 minutes pour me finir là. M'rete 10 minutes pour me. Manteau a tombé. Bon Dieu dit matin, c'est pour manteau a tombé sous la vie. Moi dis c'est pour manteau a tombé sous la vie. Moi dis c'est pour manteau a tombé sous la vie. Moi dis c'est pour grâce a tombé dans la vie. Levez-moi la dit gloire. Bon fini. Manteau a tombé. Et puis monsieur Vinil prend manteau à Fonchita. Monsieur Vinil prend manteau. Il prend manteau. Pour qui ça manteau important? Parce que manteau a son rat lié, mais pour qui ça important? Manteau c'est ton symbole lié. Pour qui ça l'important? Parce que dans la Bible, rat, le vêtement rat, c'est un symbole de l'onction. Rad, c'est un symbole du Saint-Esprit. C'est un symbole de la puissance du Saint-Esprit. C'est ça que fait la Bible a parlé dans Gédéon. Dans Juges chapitre 6, la Bible a parlé de Gédéon. La Bible dit comme ça, et Gédéon fut revêtu de l'Esprit de Dieu. La Bible a parlé de Jésus, elle a sorti dans le désert là. Dans Luc chapitre 4. Et puis la Bible dit Jésus sorti du désert, revêtu. Luc 4 verset 1. Il dit revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et Jésus rempli du Saint-Esprit, etc. etc. Revêtu quelque part d'autre. Il dit et Jésus sorti. Dans le même chapitre là, un peu plus bas, après tentation. Il dit il fut revêtu de la puissance du Saint-Esprit. C'est verset 14. Il dit et Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Ou comme ça veut dire revêtu, cela veut dire un vêtement. Il avait la puissance comme un vêtement sur lui, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. C'est ça que fait longtemps, lorsque qu'on voit ancien protestant, qu'on a chanté habillé avec puissance, habillé avec autorité, habillé avec onction. Il était comme ça, il a dit, parce que l'onction du Saint-Esprit, c'est un rad. Et rad, ça, ou pas mettre sous corps physique, mais onction du Saint-Esprit, c'est un rad qu'on mettait sous corps spirituel. Est-ce qu'on comprend ça, me dire? Est-ce qu'on comprend ça à me dire? Si vous comprenez ça à me dire, dis gloire. Vêtements, c'est un symbole de l'onction. C'est ça, et ça que fait femme samaritaine. Le regard de l'oué, Jésus a passé. Il dit, pas besoin, monsieur, pas besoin de mettre mes sous moi. Il n'a pas besoin d'imposer mes mains, pas besoin. Si seulement je pouvais toucher le bord de son, le bord de son vêtement, je serais guéri. Il touchait barade là. Et puis, le vêtement, c'est un symbole de l'onction. Donc, on y a rate la descente, tombé. Ça veut dire onction m'a tombé. Et puis monsieur Vinil il prend, il mettait le sous-bras. Qu'on n'a pas besoin de dire qui content, le content. Toute la ville, monsieur, a tapé onction ça. Toute carrière, il tapé onction ça. Toute le lave servie, il a tapé onction. La tante grâce là. Que monsieur content. Parce que finalement, il a reçu l'onction. Il a reçu le double de l'onction, de la grâce, de la bénédiction. Monsieur recevra toute portion que le dévelé. Qu'on n'y a que monsieur content, il est joyeux, il a chanté, il a adoré. Mais soudainement, monsieur ouais yon bagay. Monsieur ouais yon bagay. Par contre, si ça qu'on y va, on va adorer, et puis soudainement on pense en bagay, et puis on dirait le coupé adoration. Monsieur a adoré. Soudainement, li yon bagay qui coupé adoration. Ça le ouais qui coupé adoration. Li ouais Joudain. Parce que Élisée fin passé, Joudain en refermé. Monsieur fin traversé, Joudain, hein, avec Eli, Kounia, faut retourner la Kaili. Mais Joudain a fermé.
Mais de l'or a monté. Et puis tout l'autre 50 prophètes Dieu qui t'a suivi, monsieur, a pas de chemin là, caillou. La Bible dit qu'il y aurait été bon, l'autre bon jour d'ailleurs. Quand il y a monsieur vini lui-même, l'a vini, monsieur, il y a deux problèmes. Un, jour d'ailleurs enfermé. Il n'y a pas comment il tourner la Cali parce que son rivière qui fait 100 mètres de largeur, il n'y a pas comment il traverser de l'eau. Et puis, deuxième bagaille, tout l'autre fils des prophètes, Dieu, il y a sous l'autre bord, il y a gardé fête, monsieur. Il y a gardé fête, monsieur. Ou pensez que c'est vous-même qui était. Ou chaud devant maintenant, comme ça. Chaud devant maintenant. Ça que tu as le fourré qu'on l'a de l'eau. Ça que tu as le fourré qu'on l'a de l'eau. Quand on a fini de traverser de l'eau, il y a là-bas. Je me rappelle de ce qu'on comment. Ou pas contre combien de monde qui est dans l'église, 4 ans. Il y a gardé fête. Pour y avoir comment on sorti dans la situation qu'on a eu. Ah, l'eau a servi mon Dieu. L'eau a payé aux frères de Salomon. L'eau a payé 365. L'eau a servi la caille, mon Dieu. Et puis il y a tant de l'eau tombé dans le problème. L'eau tombé dans le chouboument. L'eau de l'eau. Il y a gardé fin tout pour yon. Est-ce que 40 jours la marché? Est-ce que offrande la marché? Est-ce que jeune yon va marché? Est-ce que ça vient? Yon était là, il y a 49 prophètes à gardé fin, monsieur. Et puis, quand y a monsieur a fini, monsieur a posé la question: comment m'a le traverser? Comment m'a le traverser de l'eau? Comment m'a le traverser de l'eau? Et puis c'est dans le bon sens, ça, monsieur, remarquez yon bagay. Qui ça, monsieur, remarquez? Il remarquez qu'il y a deux rades. Il remarquez qu'il y a deux rades. Premier rat, il remarquez qu'il y a rat pâle. Il y a un rat pâle qui soule. Dis rat pâle. Il remarquez qu'il y a rat pâle. Parce que les élites vendent tout bagay. L'élite vendent bœuf, l'élite vendent bois, l'élite vendent terrain, l'élite vendent jardin. Mais seul bagay, il pas retiré sous lui, c'est qu'il pas retiré rat li. L'élite allé avec rat li. L'élite vendent tout bagay, mais il te kembe rat là. Donc rat li te kembe yo avec toujours. Il a ses vêtements avec lui. Donc ça, c'est premier bagay. Est-ce qu'on a demain? Que rat là qui ça le représente, m'dou qui ça le représente. Rat là représente onction personnelle, monsieur. Lui représente onction personnelle, monsieur. Comment monsieur te gen onction? Comment te fait connait que Élisée te gen onction personnelle? Parce que l'Éternel te dit moins que 7000 hommes qui n'ont jamais fléchi le genou devant Baal. Après le fin dit Élisa, et puis il dit qu'on y a allé à Abel Meola et pour bral tomber sous Élisée, fils de Shaphat, et puis relèl. Ça veut dire que t'es dans 7000 hommes consacrés. Sacré, ça veut dire que tu es 7000 hommes sanctifiés, ça veut dire que tu es 7000 hommes qui te font prier, tu es 7000 hommes qui t'ont gêné, tu t'ont labouré, c'est vrai, mais pendant le travail terre, elle a prié, pendant le travail terre, elle a gêné, pendant le travail terre, elle a chargé la présence de mon Dieu, monsieur, tu es une onction. Rade là, tu représentes une onction, monsieur. Rade là, tu représentes une onction, monsieur. Et puis, quand il y a l'elga des bras. Il a ses vêtements et il a le vêtement d'Élie. Il a ses vêtements et il a les vêtements d'Élie. Il a sa onction et il a l'onction d'Élie. Il a sa grâce et puis il a la grâce d'Élie. Quand il y a monsieur Gondelot, qui a monté devant. Il y a Gondelot qui a monté devant. Et puis il y a un paquet hypocrite qui l'autre bon jour d'ailleurs, qui a rangé col pour faire carnaval sous lui, pour faire bal sous lui, pour y aller éclairer sous lui, pour y aller manger chat à éclairer sous dos serviteur. Donc quand il y a là, monsieur a deux onctions. Et puis quand il y a, faut Élisée faire un choix. Faut Élisée faire un choix devant de l'eau ça. Avec qui onction va le courir sous de l'eau ça? Et pas qu'à faire, ouais, parce que si le mal court, il t'a noyé. Eh, il pas qu'à faire, ouais, là, non. Il pas qu'à faire, ouais, il pas qu'à prendre onction pas marcher. Il pas qu'à onction qu'à rater. Il pas qu'à onction pas travailler. Parce que s'il allait là, il t'a noyé. La pantrée dans l'eau, elle pas sorti. Si onction pas marcher. Et puis, Élisée qui te gagne intelligence spirituelle, il dit onction personnelle. Même comprendre bien que onction personnelle, pour le grandir, il m'a des découvertes. Pour le grandir, il m'a des erreurs. Pour le grandir, il m'a des temps. Pour le grandir, il manque essai. Il dit avec l'eau qui devant nous là, avec l'eau qui devant nous là, je n'ai pas de temps pour m'essayer, ça marche, ça va marcher. Je n'ai pas de temps pour faire des années pour ma joie. La Bible dit il râlera sous l'IA, il chire. Rat que le pas de la guerre, rat que le pas de abandonner, rat qui te kembe avant de vendre toute bagarre là. Eh bien, quand il y a la Bible, il chire. Ça veut dire que je ne vais pas dépendre ça.
c'est pas une onction personnelle. Ça veut dire rendre-moi compte. Problème moi là, onction personnelle va traverser. Joue ça, onction personnelle va traverser. Joue des mariages, joue ça dans mariage moi. Joue ça dans santé moi. Joue ça dans la vie moi. Moi encore nous sommes homme de Dieu. Mais onction ça passe, vêtement ça passe. Besoin on le vêtement. La Bible dit chirer rat li. Et puis qu'on y a la marche de tourner. La marche de tourner sous Jourdain. La marche de tourner sous Jourdain. Melguin fait ma élimel. La marche tout. Aïe 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 aïe. Détaillé à partir d'aujourd'hui. Ou bral marche sous problème. Nan. Problème qui t'a paniqué pendant longtemps. Clos qui t'a paniqué pendant longtemps. Joue dédié qui a paniqué pendant longtemps. Moi déclaré c'est l'heure pour avancer sous le nom de Jésus. Monsieur de tourner et puis la avance dans la gloire. Et puis gloire à garder le jour de garder. Et puis la Bible dit comme ça, monsieur, relève toi. Il dit où est l'Éternel, le Dieu. Et puis immédiatement, monsieur m'a fait 20 ans à jeûner, monsieur m'a fait 30 ans à jeûner, monsieur m'a fait 40 ans dans le désert, monsieur m'a fait 40 ans à broumer, il m'a fait 40 ans à baisser. La Bible dit immédiatement de l'œuvre. Moi déclaré au nom de Jésus de Nazareth. L'eau qui t'est barré pendant longtemps, c'est pour les femmes devant au nom de Jésus. Moi dis gros de l'eau dans mariage, c'est pour les femmes devant au nom de Jésus. Gros de l'eau dans santé, c'est pour les femmes devant. Gros de l'eau qui barre Timonio, c'est pour les femmes devant. Gros de l'eau qui t'est barré ministère, c'est pour les femmes devant. Pau, les frappés. Et puis Jourdain a ouvert. Et la Bible dit, les Jourdain ouvert. Monsieur passé à pied sec. À pied sec dans le temps Jourdain. Et puis avec manteau sous dos. Monsieur sorti en chelbe. Monsieur sorti en brode. Hypocrite, vous tapez pour vous rire. Hypocrite, vous tapez pour vous faire carnaval. Hypocrite, vous tapez pour vous faire bonne. Et puis serviteur a sorti avec style. Bon Dieu, bal délivre avec style. Bon Dieu, bal délivre au chelbe. Bon Dieu, bal délivre au brode. N'a figu tout hypocrite. Le bébé a la dit gloire. Le monsieur fin passé. Le monsieur fin passé. Même maman fils de prophète dit. L'esprit d'Eli. L'esprit d'Eli. Repose. Sur Élisée. En d'autres termes, en d'autres termes, en d'autres termes. Ça, c'est pas un onction personnelle qui fait. Non, je connais monsieur son homme de prière. Je connais ce monsieur qui fait partie des 7000 qui n'ont jamais fini le genou. Je connais son homme de consécration. Je connais son. Mais ça, il dit, c'est pas un chéri qui fait. C'est pas un chéri. C'est pas un chéri qui fait. Il dit, l'esprit d'Eli repose sur Élisée. Et puis tout le monde qui t'attend pour moquer monsieur, la Bible dit comme ça, il est prosterné devant monsieur. Il dit, chapeau bas, attendez papa. Chapeau bas. Chapeau bas. Chapeau bas. Yes. Yes. L'Éternel bral fait un bagage dans la vie. Qui bral fait toute hypocrisie. Congratulations. Oh, on va attendre ça, Mabdou là. Hypocrite bral dit félicitations. Regardez, même si cœur n'est pas la dedans, l'Éternel bral fait un bagage dans la vie. Hypocrite qui pense qu'on va perdre du temps dans l'évangile. Moi, tu es hypocrite qui pense qu'on va perdre du temps. Bon Dieu, bral faut bagarre dans la vie. Il n'y a pas obligé de voir la main pour lui dire mes félicitations. Esprit. En d'autres termes, il dit monsieur, onction qui est dans la vie. Là. C'est pas onction normale. Il dit ça, c'est onction double différentielle. Il dit onction qui soit, c'est pas onction normale. C'est onction double différentielle. Nous sommes les mêmes petits dès qu'on a regardé. 4 par 4, 4 mon démon. Et pour garder où elle est, 4 par 4, arrive en bas mon. Et pour elle a glissé. Ou qu'a qu'on différence. Ou qu'a qu'on est. Qui machine qui a un double différentiel. Et qui machine qui n'a pas un double différentiel. Deux machines, yon doit assembler. Yon doit même grosseur, yon doit même couleur. Yon doit même hauteur. Mais machine qui n'a pas un double différentiel là. Là où elle arrive en bas mon. L'yon doit faire un petit monter, oui. Mais gros côté le rivé. L'yon doit faire un petit effort, oui. L'yon doit faire un petit route, oui. Mais gros côté le rivé dans la montagne là, papa. Et pour garder où elle coller. Et puis tant qu'on a le gaz, où la machine arrête. Vroom, vroom, ou est-ce qu'on a roulé, la tirer roche derrière, la
patiner, mais elle pas fait yon pas. L'irrete la patiner, l'irrete la faibri, l'irrete la manger gaz, mais elle pas monter, elle pas avancer, parce qu'elle pas gagne tout différentiel. Les machines qui gagne tout différentiel là. De pour elle, ils vont côté papa et puis elle pas qu'à avancer. Et puis même moment où elle monsieur retire, puis elle sous cloche, et puis l'entrée deuxième, elle va pas. Et puis il montait, 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 et puis il montait. Lorsque père spirituel, ou onction tout différentiel. Lorsque mon papa, ou onction tout différentiel. Lorsque mon bail, onction générationnelle, ou qu'on tout différentiel. Levez-moi à la dit gloire. Qu'est-ce que l'eau qui devant? C'est onction tout différentiel. Pas fond ni devant. Quel que soit côté ou même qui voulait recevoir une onction double différentielle. Quel que soit côté levé campé sous pied. Ta carobo chata baba baba. Vous voulez faire appel à un monde qui là. Un jeune garçon, une jeune fille qui là. Qui sent un grand appel dans la vie. Ou sent un grand appel dans la vie. Même gens avec. Ou sent un grand appel. Même gens avec un Élysée. Ou sent un grand appel. Même gens avec un Élysée. Ou sans tout bon appel, ou sans tout bon tu plus, ou sans tout bon l'autre bagage. Élisée te répond à appel là. Le jour que le vin fils spirituel d'Élie, il répond à appel là. Le jour que le d'accord pour le vin fils, il répond à appel là. C'était commencement répondre avec appel là. Maintenant, monsieur t'a choisi, continuer à faire ça, t'a fait. Monsieur pas ta bon mauvaise vie. L'étape toujours petite chafat. L'étape toujours sorti dans grand famille. Peut-être bœuf lion t'a continué multiplier. Monsieur t'a toujours gain l'argent. L'étape toujours riche. L'étape bon belle vie. L'étape bon gros nom. Mais matin, hein, nous pas t'a parler de lui. L'étape raté appel dans la vie. L'étape raté vocation. L'étape seulement yon l'autre monde qui riche. Yon l'autre monde qui gain gros nom. Mais elle pas t'a fait yon impact. Pour le temps et pour l'éternité. Il fait un impact parce qu'il a répondu à son appel. Sous son monde qui l'a là dans minute ça. Ou senti bon Dieu qu'on appelle sur la vie. Ou senti bon Dieu qu'on appelle sur la vie. Il y a un côté le bras avec. Et première étape là, c'est d'être un fils. La Bible dit première étape, appel monsieur. Aussi longtemps, aussitôt que le voyant manteau à sous lui, qui représente l'appel, la Bible dit l'aller auprès de lui. Et le servir pendant longtemps. Ça veut dire qu'il vient un fils. Après ça, il vient recevoir onction. Mais il répond à l'appel d'être un fils d'abord. C'est ça que fait. Les messieurs ont enlevé. Il dit mon père, mon père. Il a reçu l'appel d'être un fils. Dans quel que soit côté où il est dans le campus, nous, quel que soit côté où il est dans la salle, quel que soit côté où il est Bois Verna, quel que soit côté où il est Delma, quel que soit côté où il est Santo Domingo, Santiago, Pétionville. Quel que soit côté, quel que soit côté, parlez-vous, quel que soit côté, Montréal, Boston, New York, quel que soit côté. Dans toute salle là, dans toute salle là, monde qui sent un appel dans la vie. Et pour dire, je voulais répondre à l'appel, moi je dis. Je ne veux pas seulement yon membre dans le tabernacle de gloire. Je ne veux pas seulement yon membre. Je ne veux pas seulement yon visiteur. Mais je voulais un fils dans cette maison. Je voulais un fils dans cette maison. Parce que je me rappelle, je suis destiné. Pendant que nous allons chanter ça encore, nous allons prier pendant que nous allons chanter ça. Dans quel que soit le campus où il est, avancez devant. Je voulais un fils dans cette maison. Je ne voulais seulement un membre, je voulais un fils. Et l'homme dit fils là, il ne représente ni garçon ni fille. Je voulais un fils dans la maison. C'est pas pouvoir, c'est pas. Merci parce que vous regardez la vidéo ça. Nous espérons ton bénédiction pour vous. S'il te béni, eh bien, cliquez Kounia sous le bouton rouge qui marque subscribe ou bien abonner. Faites Kounia. Cliquez Kounia. Love you. Bye bye.